Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Régis et Jennifer. Lorsque leurs parents se sont mis en couple, les deux adolescents étaient loin d'imaginer qu'ils tomberaient amoureux l'un de l'autre. Tout le monde a du mal à le croire et se demande comment ça peut être possible. Mais c'est vrai que pour moi, je suis tombée amoureuse à l'âge de 10 ans. Hein. Vous en avez parlé avec votre femme quand vous avez eu des doutes? Ah non, pas du tout. Oh bah non. Bah non, c'était pour... J'allais pas balancer. Mais aussi l'histoire de Sophie, son père Jacques Anquetil est aussi le beau-père de sa mère. Mon père dormait avec Nanou, mais le soir allait dire au revoir à ma mère. Et après lui repartait dormir dans son lit avec sa femme. Maintenant je vois la rivalité où elle a pu être. Sur le moment je m'en rendais pas compte, j'étais trop jeune. Enfin l'histoire de Maurice qui entretenait une liaison avec une cousine de 12 ans, sa cadette. Il a dû la quitter pour préserver son mariage. Comment vous réagissez à tout ce qui est dit aujourd'hui? Bah ils ont de la chance que ça s'est bien passé quoi. Parce que moi, bon ça s'est très mal passé quoi. Je dis franchement, à refaire, je serais parti avec ma cousine, quoi. Bonjour à tous, bienvenue sur Plateau Toute une Histoire. Merci pour nos invités, bonjour. Imaginez que vous vous mettiez à regarder avec les yeux de l'amour votre cousine ou votre cousin, que votre cœur batte la chamade quand votre oncle vous prend affectueusement dans ses bras, que vous rêviez d'embrasser sur la bouche votre demi-sœur ou votre demi-frère. C'est impossible, me direz-vous, de toute façon, ça ne peut pas vous arriver, votre famille vous en empêcherait, la loi s'y oppose et la morale le réprouve, c'est pourtant ce qu'ont vécu nos invités aujourd'hui. Ils sont tombés amoureux d'un membre de leur famille, eux parlent d'amour, leurs détracteurs les accusent d'inceste. Quand l'amour familial se mélange à l'amour charnel, eh bien le cocktail est explosif. Certains couples interdits ne résistent pas, d'autres au contraire tiennent bon, encore mieux, contre vents et marées. Permettez-moi de vous présenter ces couples qui ont fait le pari de l'amour envers et contre tous. Et on va commencer avec Sophie, qui est la fille d'un grand coureur cycliste. Bonjour Sophie. Bonsoir. Le coureur Jacques Anquetil. Ah ouais, quand même, 5 fois vainqueur du Tour de France, le premier à gagner 5 fois l'épreuve. Jacques Anquetil était un immense champion et en marge de ces compétitions, c'était un homme avec une vie amoureuse assez complexe. C'est particulier, oui. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Votre mère n'était pas la femme de votre mère. Votre mère, oh là, ça commence. Ça commence. Votre mère n'était pas la femme de votre père. Voilà, c'était sa belle-fille. C'est-à-dire, c'était la fille de sa femme, d'un premier mariage. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez été élevée par... La femme de mon père, qui est ma grand-mère, et par ma mère, qui est sa fille. Et qui est votre maman? Bah, ma mère. Ouais. Et qui appelez-vous maman? Les deux. Vous appelez les deux mamans? Oui. C'est une histoire compliquée à comprendre et pour vous assez facile à vivre, ce qui est assez rassurant d'ailleurs. Vous êtes assez heureuse, on verra comment qui vivait avec qui à l'époque. En fait, tout le monde vivait ensemble sous le même toit. Et puis on verra aussi comment vous vivez avec ces deux femmes que vous appelez maman aujourd'hui. Je présente également Maurice qui est notre invité. Bonjour Maurice. Bonsoir. Maurice, vous êtes tombé amoureux de la fille d'une de vos cousines germaines. De votre petite cousine? Oui. Qui avait quel âge? 19 ans à l'époque. Et vous? J'avais 30 ans à peu près. Une histoire qui n'a pas évolué comme vous l'espériez. Vous nous raconterez comment vous avez perdu en fait toute votre famille à cause de cette histoire. Ouais. Votre fille est là également pour nous apporter son témoignage. Nelly est également notre invitée. Bonjour Nelly. C'est moi. Comment allez-vous? Vous avez été mariée à un homme que vous connaissiez depuis le berceau? Oui. Pas votre père, hein? Non, le frère de ma maman. Le frère de votre maman. Votre oncle? Oui. Vous avez eu 4 enfants avec cet homme, on ne peut pas dire que ce soit juste une passade, hein, ça a été une vraie histoire. Cet homme qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, vous aviez une assez grande différence d'âge. Comment vous avez expliqué à vos enfants que leur papa était aussi leur tonton? Je ne l'aurais pas expliqué du tout. Pourquoi? Pas compliqué? Non, c'était quelque chose pour moi de naturel, je n'ai jamais pensé qu'il y avait quelque chose de spécial là-dedans et ils l'ont appris par une de mes sœurs. D'accord. Juliette est également notre invitée. Bonjour Juliette. Bonsoir. Alors vous avez découvert il y a 5 ans que votre petite amie vous trompait, ce qui peut arriver? Tout à fait. C'est pas très agréable, il vous trompait avec qui? Avec sa cousine. Avec sa cousine? Cousine? Germaine? Avec sa cousine, tout à fait. Vous la connaissiez? Tout à fait. Comment vous avez encaissé la nouvelle? Très très mal. Donc j'ai mal vécu la chose et j'ai fait une dépression suite à cela et c'est vrai que j'ai éprouvé un profond dégoût. On verra que c'est plus facile en fin de famille et très compliqué pour certaines personnes. Comme vous, ils sont toujours ensemble, ceux que c'est cousins-cousines aujourd'hui? Je ne pense pas, je ne sais pas. D'accord. Pour commencer cette émission, nous allons découvrir l'histoire de Jennifer et de Régis. Jennifer et Régis, ce qu'on appelle des quasi-frères et sœurs. Savez-vous ce que sont des quasi-frères et sœurs? C'est un terme qui est tout à fait légal. Ce sont en fait des frères et sœurs par alliance. Ils avaient 10 et 14 ans quand leurs parents se sont mis en couple. Ils ont partagé la même chambre d'enfant. Les bêtises aussi, se sont chamaillés comme tous les gosses. Mais un jour, l'amour s'en est mêlé et rien n'a plus jamais été comme avant. À la grande surprise des parents et des grands-parents et surtout de la maman d'ailleurs, qui n'avait rien vu venir. Au
début, quand j'ai connu Alain, il m'a dit qu'il avait un fils. Très peu de temps après, d'ailleurs, il me l'a présenté. Et ce fils, c'est Régis, ici à l'âge de 15 ans, quand Charline devient sa belle-mère. Une belle-mère qui a déjà une fille d'un premier mariage, une petite Jennifer de 10 ans. J'emmenais Régis faire les courses, je l'emmenais acheter des chaussures, tout le temps, comme si vraiment c'était mon fils. Hein. Dans la famille recomposée, l'entente est immédiate entre les enfants. Très vite, Régis et Jennifer, qui sont élevés comme frères et sœurs, ne se quittent plus. Au bout de 5 ans de cohabitation, ils deviennent un couple. Leurs parents respectifs apprennent la nouvelle par l'indiscrétion d'une amie. J'étais en vacances et elle m'a appris que mes enfants, parce que bon, pour moi, c'était mes enfants, étaient ensemble, donc avaient des rapports tous les deux un peu ambigus, mais bon... Voilà, c'était comme ça. On ne pouvait rien y faire. C'était vraiment un choc. Tout est chamboulé, finalement. C'est une chose à laquelle on ne s'attend pas. Charline ne s'attendait pas, en effet, à ce que sa fille et son beau-fils tombent amoureux sous son propre toit. Alain, au contraire, avait senti venir les choses. C'est incroyable la manière que tu as de dire que tu n'as rien vu venir et que tu t'en doutais pas. J'ai jamais rien vu. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'as rien voulu voir. Ah non, je n'ai rien vu. Quand on allait les coucher le soir, franchement, qu'elle était la tête sur l'épaule de Régis et tout, ça peut pas durer des années. Un homme, c'est pas en bois, ça, tous les anciens le disent. Hein? Il devait automatiquement un jour y avoir quelque chose. Les câlins qu'elle faisait à Régis, c'était pas des câlins de frères et sœurs. Quand même ça, tu l'avais vu. Non. Non. Pas du tout, non. Pour moi, c'était normal. Et ça s'est fait parce qu'on les a laissés faire. On a été, nous, un petit peu indigents. On les a laissés faire des trucs qu'on n'aurait pas dû laisser. Tout le monde a du mal à le croire et tout le monde veut pas... se demande comment ça peut être possible. Mais c'est vrai que pour moi, je suis tombée amoureuse à l'âge de 10 ans. Hein, je suis désolée. On a commencé à avoir quand même cette relation frère et sœur au début. Ah, c'est normal. Quand on a commencé à... C'était la logique. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il allait y avoir une histoire, qu'elle soit amicale ou amoureuse, de toute façon. Je me souviens des discussions que j'ai pu avoir avec maman à l'époque où elle n'était pas d'accord quand elle l'a appris. C'est vrai que j'ai pas voulu en démordre parce que pour moi, de toute façon, l'histoire qui avait démarré, elle allait continuer. Et j'ai eu raison en plus. Au début, craignant la réaction de leur famille et les on-dit, Jennifer et Régis ont même pensé mettre un terme à leur relation. On a essayé, on a fait des tentatives pour essayer de se dire, on arrête, on essaye de plus faire parce que c'est pas très bien. Je m'imaginais pas du tout déjà vivre à tes côtés sans qu'il se passe quoi que ce soit. On aurait pu aussi se disputer tous les deux. Du fait que moi je veuille que les choses passent bien et que toi t'as eu au clash. Si tu m'avais dit on arrête tout parce que les parents sont pas d'accord, je pense qu'on aurait pu se fâcher très fort. Ouais. Pour moi, au début on était un petit peu dur à encaisser. J'aurais pu effectivement à l'époque louper cette relation. Quoi. Aujourd'hui, cela fait 12 ans que Jennifer et Régis sont ensemble. Ils ont fondé une famille et vivent pleinement leur relation, malgré l'ambiguïté de leur lien familial. Moi, je dis souvent, je sors avec ma demi-sœur. Voilà. Ou alors, encore mieux, je dis, je sors avec la fille de ma belle-mère. Et là, les gens, tout de suite, ça tourne, ils savent où ils en sont. Puis après, tu leur expliques l'histoire. Et là, effectivement, ils disent, c'est bien, mais c'est ambigu. Bon, trinque. À une histoire pas normale qui se termine bien. Mais pas normale quand même, hein. Alors, à mon avis, toutes les familles recomposées vous regardent avec des grands yeux comme ça, en se disant, est-ce que ça va arriver dans notre famille et tout. Parce qu'aujourd'hui, on en parle avec beaucoup de sourires. Même vous, madame? Oui. Ouais, vous avez hésité avant de répondre, quand même. Votre mari dit qu'il avait tout vu venir, en fait. Oui. Je crois qu'il l'espérait même un peu. Il l'espérait un peu. Vous en avez parlé ensemble? Non, pas avant. Oui ou non? Pas avant. Non. Après, oui. Non, mais moi, j'avais vu quand même. Je me doutais qu'il y aurait une histoire. Mais j'ai pas voulu l'arrêter. Pourquoi l'arrêter? C'est une belle histoire, non? Quand vous êtes mis en couple tous les deux, donc votre fille, Charline, avait 10 ans. Oui. Et Régis, lui, avait... 16 ans.
16 ans ? Non. Alors, d'un côté, un adolescent, et de l'autre côté, une petite fille. Vous avez tout de suite flashé sur votre... Oui. À 10 ans ? Oui, ça paraît invraisemblable, mais oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous l'avez vu pour la première fois ? Disons que son père m'en avait beaucoup parlé déjà, donc... Son père, oui. Doudou. donc voilà, je l'attendais avec impatience, on va dire, et puis peut-être que ça a forcément aidé. Vous l'avez rencontré combien de temps après vous êtes installés ensemble, toute la famille ? Un an après. Vous sentiez qu'elle était un peu amoureuse de vous ? Non, pas tout de suite. En fait, j'ai pas ressenti tout de suite. Ça a été en fait quand moi j'ai commencé à avoir des regards sur elle, en fait. Alors à quel moment ? Plus tard, un an, deux ans après. Elle avait quand même 14 ans, 3, non ? 3, 14 ans. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, comment vous avez vécu avec la présence d'un garçon que vous aimiez autant ? C'est vrai qu'il y a eu le passage où, quand on a commencé à vivre ensemble, il y a eu le passage frère et sœur. Hein. Oui, ensemble. Dans la même chambre ? Oui, il y a quand même eu ce petit passage. Un petit chalet, oh ben c'est mignon. Vos parents, vous avez mis un petit chalet dans le jardin ? Oui, c'est pas romantique. D'accord. Comment vous y preniez pour essayer de lui dire « je ne suis pas qu'une petite fille » ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à me sortir un peu, on va dire, très jeune. Il m'emmenait avec ses copains, alors ça a commencé à des fêtes foraines, ça a commencé, puis j'y ai pris goût, c'était après tout le temps. Donc il m'emmenait partout. Comment il vous présentait à ses copains ? Comme sa sœur, au démarrage. Puis c'est vrai qu'au début, c'était plus peut-être un amour de frère que j'avais. Vous avez d'autres frères et sœurs, par ailleurs ? Oui, j'ai mon frère là, qui est là, le grand, là. Maxime. D'accord. Voilà. Il avait 3 ans, lui, à l'époque. Oui, alors donc lui, il risquait pas de tomber amoureux de... Mais non, quand même. Ouais. Non, puis là, heureusement, il n'avait pas de petite sœur. Parce que alors là, ça aurait été... ça aurait été encore plus compliqué. Ouais. Comment vous êtes... comment ça s'est fait ? J'ai beaucoup couru après lui, on va dire. Ouais. Vas-y, tu veux parler un peu ? Non, vas-y. C'est à toi de parler. Hein. J'ai beaucoup couru après, ouais. Beaucoup. Et puis, jusqu'au moment où il cède, en fait. Hein, Comment vous l'avez fait savoir que vous étiez amoureuse, que vous étiez devenue une grande fille ? Oh, c'est venu naturellement. Il l'a compris, je pense, au bout d'un moment. J'étais un peu la glu, si vous voyez. Donc... Et à un moment, il avait fini par comprendre. Et puis je suis sortie avec un de ses copains, en fait. Ah. Donc, et là, il a ouvert les yeux, s'est dit « Waouh !» Vous avez quel âge ? Ça va pas, ça. Oh, je devais avoir 15 ans. Et Régis, ça vous a senti jaloux ? Sur le coup, non, quand elle me l'a annoncé. Puis après, oui, c'est vrai que ça a commencé à... voir qu'en fait, elle avait une relation avec un de mes amis, Ça m'a un peu chagriné, ouais. Donc à ce moment-là, vous avez une vingtaine d'années, vous, à peu près. Donc oui, là, c'est vous ça. Êtes un beau bébé, déjà. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites que c'est possible de sortir avec votre, ce qu'on appelle quasi-sœur, celle que vous présentiez comme votre sœur, ou est-ce que c'est interdit ? Alors, pas du tout, parce que, Fred, j'ai pas été élevé dans ce genre d'éducation. Donc, l'interdit, non, j'ai pas vraiment eu... Je me suis pas dit c'est mal. Enfin, si, je me suis dit c'est mal. Mais je me suis pas dit c'est vraiment... C'est terrible. Vous vous êtes dit c'est mal, c'est-à-dire... Je me suis dit c'est mal par rapport aux autres gens, à mon entourage, à tout ça, parce que justement, les parents ou les amis ? Les parents, ouais, enfin... Surtout Charline. Surtout Charline, effectivement. Votre belle-mère, donc. Ma belle-mère, voilà. Surtout ma belle-mère. Mais sans plus, pas plus que ça. Donc, voilà. Et puis, non, c'était surtout les gens, comme on était gérant d'un club de tennis, on connaissait quand même pas mal de monde. Donc, les candidatons, etc. Voilà, j'avais peur des candidatons. Vous n'avez pas qu'on dise quoi, finalement ? Que ça se fait pas, que les gens pensent généralement. Dans ce cas de figure, quoi. Donc vous avez commencé les petits câlins, ouais. Puis les gros câlins, et vous n'en aviez toujours pas parlé à vos parents respectifs ? Non. Mm. Non, en aucun cas. Mm. Vous êtes fait choper, visiblement ? Oui. Vous êtes fait dénoncer, c'est pas bien. Voilà, c'est un peu de délation. Vous aviez déjà consommé votre amour, si je puis dire ? C'est pas très joli terme, ça. Hein, Oui. Oui, ouais. C'était déjà bien parti, oui. Ouais. Ouais. Vous aviez culpabilisé, vous, Jennifer ? Ah non. Jamais ? Non. C'était déjà trop tard. Et vous, Charline, pour l'instant, vous ne vous doutiez de rien ? Ah, mais alors, de rien du tout. Et, ouais. Et quand vous l'avez appris, comment vous avez réagi ? Je me suis fait engueuler. C'est pas de votre faute, pourtant. Ah non, j'y suis pour rien. Oui, c'est son fils. Mais vous, les candidats, les ondits, souvent les adultes vivent encore plus mal que les jeunes, qui ne se rendent pas bien compte.
Vous n'aviez pas peur ? Non, mais les on-dit, c'est pas important. Ce qui est important, c'était, moi, le bien-être de mes enfants et de ma famille. Nous, on était très bien, on a toujours été très bien. Donc pourquoi compliquer les choses ? C'est une histoire... Quand on parle de lien incestueux, même au sens le plus virtuel du terme... Oula, les yeux qui sortent de la tête, là, oui. C'est pas incestueux, c'est une histoire sexuelle entre un homme de 19 ans et une fille de 16 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal ? Attendez, il faudrait qu'ils avaient 6 ans d'écart, parce qu'ils n'ont plus de 3. Non, mais quand ça s'est passé ? Ils ont 6 ans d'écart, donc 19 et 16, c'est pas 19 et 16. Hein. Non, il avait 21 et 16, alors, 21 et 16. Ça fait plus que 5, là, mais enfin, ouais, bon. Quelques mois qui traînent encore. On va pas chipoter pour 2-3 mois. Mais c'était vos enfants, comme vous dites vous-même. Oui, oui, oui. Vos enfants ensemble. Non, mais j'admets que ça aurait pu être une histoire catastrophique. Ça, c'est sûr. Ça aurait pu être quelque... Et encore, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui aurait pu se passer catastrophique ? Que ça évolue mal entre eux ? Ouais, ça évolue mal. Si non, ça peut mettre le bazar dans toute la famille, là. Et vous, Régis, vous êtes projeté dans ce cas de figure possible, négatif ? Bah oui, oui, au début, oui, moi je m'y suis projeté. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a hésité à avoir d'avoir cette relation. On a hésité quand même. Enfin, moi, j'ai hésité. Et puis finalement, voyant que ça se passait plutôt bien, après avec l'habitude et tout ça, c'est rentré dans l'ordre. Et puis, Mais au moment où ça s'est su, vous aviez prévu de le dire ? Pas du tout. Vous pensez que ça allait rester secret toute votre vie ? Ah non ! Non, non, mais non, non, pas du tout. Mais on n'avait pas du tout prévu ça comme ça. Non, on n'avait pas prévu que ça dure. On n'avait rien prévu de toute façon. Bien. Voilà, c'était... Vous étiez ensemble depuis combien de temps quand vos parents l'ont su ? Un an. Ah, quand même ? Ah, quand même. Moi, je crois que c'était la veille. Ah, oh, bah oui. Non, mais si vous voulez, c'était simple. Hein. Ouais. C'était quand même assez simple dans l'ensemble de. Oui, pour vous, c'était. De pouvoir les tromper. Ah. Ah oui. Ouais. Façon de parler. Voilà. Façon de parler, c'était simple de... On avait notre chalet, moi, donc ça en même temps... Surtout moi, c'était simple, hein, puisque moi, je voyais rien. Ah oui, mais Charline, vous ne voyiez rien ou vous ne vouliez rien voir ? Ah non, je ne voyais rien. Vous ne vouliez rien voir ? Non, non, vous ne vouliez rien voir, Charline ? Non, pas du tout. Ça vous paraissait impossible, vous ? Impossible, non, j'ai pas pensé, je pensais pas du tout à ça. Avoir un garçon avec une fille, 5 ans ou 6 ans d'écart, dans la même chambre. Tous les soirs, on passait, les embrasser. Sur le front ? Ouais, ils étaient tous les deux. Comme un papa et une maman, il faut être là. Et eux-mêmes, ils se faisaient des petits câlins devant vous ? Oui. Comme un frère et une sœur ? Un peu plus, des câlins un peu plus forts. Charline, je croyais que les femmes voyaient tout, moi. Ouais. Oui, c'est possible, mais pas moi. Vous en avez parlé avec votre femme quand vous avez eu des doutes ? Ah non, pas du tout. Oh bah non. Bah non, c'était pour... J'allais pas balancer. Ça se fait pas. Ah, vous êtes mis du côté de vos enfants, pas du côté de votre femme. Mais non, je me suis mis du côté de personne. Je savais même pas si ça allait se faire, mais je m'étais dit que si ça se faisait, c'était pas grave. Voilà, c'est tout. Tout simple. Et nous ont fait deux belles petites filles, dont on est très fiers. Voilà, c'est une belle histoire, je vous assure. Ouais. Est-ce que vous redoutiez la réaction de votre maman, Jennifer ? Parce que souvent, les jeunes filles parlent à leur maman de leur relation d'amour, posent des questions. Non, là, justement, je n'aurais pas trop parlé, là. Ouais. Ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être, effectivement, on aurait cette relation, mais c'est vrai que du coup... Puis j'étais jeune, hein, aussi. Même avant votre première relation sexuelle, vous n'avez pas voulu aller vers votre maman pour lui dire « il va se passer ça dans ma vie ». Non. Bah non, j'étais un peu jeune, donc j'avais peur de sa réaction, surtout. Mais Et comment a-t-elle réagi, une fois qu'elle l'a su ? Par une amie, on vous a appelé, vous étiez en vacances. Coup de fil. J'étais à Dakar, loin de la maison, donc. Vous êtes rentré tout de suite ? Non. Non, c'est en rentrant. On partait 8 jours, on ne pouvait pas rentrer tout de suite. Ouais. Et puis moi, j'étais pas sur place hein, quand ils l'ont appris. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai envoyé. Il était à la maison, les parents étaient partis en vacances. Et moi, j'étais sur un boulot d'été sur la côte dans le nord. Et je lui ai envoyé une lettre en sachant que les parents n'étaient pas à la maison. Je lui ai envoyé une lettre, il a laissé traîner la lettre. Et la mine de ma maman, qui est passée par là, non, pas exprès, a trouvé cette lettre. Voilà comment ça s'est passé. Elle a passé un coup de fil à Dakar. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette dame ? Elle était atrocement surprise ou... Non. Comment elle vous présente les choses ? Non, parce que finalement, je crois qu'elle savait.
C'est comme le cocu, Charline, hein, c'est le dernier au courant. Hein. Je sais pas si ça fait... Quand vous êtes une fois rentré de Dakar en France, comment vous en avez parlé avec vos enfants? Vous avez fait un petit conseil de famille? Ouh là, ça devait être un moment, ça. Bah, c'est surtout Régis et... C'est nous deux qui avons une discussion. C'est une grosse discussion, oui. Non. Vous deux. Voilà, nous deux, Charline et moi-même, qui avons une discussion. Puis en une demi-heure, même pas, c'était réglé. Charline nous a posé des questions? Oui, elle m'a posé des questions, oui. Qu'est-ce que je voulais savoir? Si j'allais laisser ma petite copine que j'avais. Oui, parce qu'il avait une petite copine, oui. C'est ce qui me dérangeait, surtout. En même temps? Oui. Vous le saviez, vous, Jennifer? Oui. C'est pas bien. Vous étiez jalouse? Oui. Alors, moi, ce qui me dérangeait, c'était que ma fille était malheureuse, plutôt. Mm. Voilà. Mais après, tout s'est bien passé. Bon réflexe de maman. Oui, tout s'est bien passé. Donc, après. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu à cette question? Que j'allais faire mon choix, et enfin qu'il était quasi, il était déjà fait à l'époque, c'était déjà fait, et puis que j'allais faire le nécessaire. Et comment vous êtes retrouvés ensuite tous les deux dans le chalet? Vous la ramenez ou pas trop? Soulagé, honnêtement soulagé. Ouais, soulagé, bien sûr. Et ensuite, les choses ont toujours été simples? Ah oui. Après oui, alors là après oui. Après ouais. C'était le bonheur après, jusqu'à aujourd'hui, et... le plus plein. Et voilà. Rétrospectivement, vous dites quoi? C'est super. Qu'on a de la chance. c'est une belle histoire. Qu'en pense Mélissa? Où êtes-vous, Mélissa? Ici. Où? Ici. Ah, vous êtes là, Mélissa. Bonjour, Mélissa. Vous aussi, vous êtes en couple avec votre quasi-frère. Tout à fait. Depuis 4 ans maintenant, comment vous réagissez à cette histoire d'abord? Ouais, je trouve ça amusant. Ça vous rappelle des souvenirs? Tout à fait. Vous aviez quel âge quand vous êtes tombée amoureuse de votre quasi-frère? Alors, c'est un petit peu particulier parce que moi aussi, je l'ai mis un petit peu en secret. Donc en fait ce qui se passe c'est que par contre je n'ai pas vécu avec lui puisque lui vivait avec sa mère et donc moi je vivais avec donc, ma mère et son père qui est mon beau-père, donc aussi deux fois mon beau-père à l'heure actuelle. Donc vous voyez dans les réunions de famille j'imagine? Tout à fait. Quand vous l'avez vu pour la première fois vous aviez quel âge? Alors Sébastien, ouais. Donc, lui me connaît depuis le berceau parce qu'en fait ce qui se passe c'est que nos parents respectifs étaient amis avant d'être ensemble, enfin avant le divorce, d'accord, séparation. Donc lui m'a connu nourrisson, en fait. Alors, vous êtes en couple depuis 4 ans maintenant. Lorsque vous avez senti que vous tombiez amoureuse, vous vous êtes dit, je vais quand même attendre un petit peu avant de me déclarer. Ah oui, oui. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 15 ans, 16 ans? Oui, voilà, dans ces eaux-là, quoi. Vraiment, au moment où j'ai commencé vraiment à me rendre compte que c'était de l'amour. Petit redingue d'amour, ouais. Et plus des sentiments de fraternité. Famille, en fait. Voilà, tout à fait. Et puis finalement, je me suis éloignée de tout ça, j'ai déménagé. Et il a fallu, je ne sais pas, un déclic, une discussion autour d'une table. Vous n'avez pas déménagé à 14-15 ans? Ah non, plus tard. J'avais 19 ans. À la suite de ce déménagement, on a eu une discussion un soir de vacances autour d'une table, après une soirée bien arrosée. N'est-ce pas? Et je lui ai tout raconté, je lui ai expliqué mes sentiments, je lui ai expliqué comment ça se passait dans ma tête depuis certaines années, mais avec un détachement total, puisque moi, je m'étais dit, bon, ça suffit, il faut que j'avance dans ma vie. Il faut passer à autre chose. Voilà, tout à fait. Comment, il a été surpris? Complètement. Ah, il n'a rien vu venir, lui? Ah, du tout. Non, voilà, c'est un petit peu comme... Comme Régis. Il n'a rien vu venir. On pourrait dire les hommes ne voient rien venir, mais non, heureusement, il y a Charline qui nous dit que même les femmes... Il n'a rien vu venir et il a été presque flatté. Voilà, il trouvait ça sympathique. Et puis... Vous êtes fait derrière un baiser en plein air? Ah non, du tout. Pas ce soir-là? Ah non, non, non. Vous disiez que c'était une relation impossible? Oui, de mon côté, parce que lui avait une amie donc, avec qui il était quand même depuis 7 ans. Donc c'était, vraiment sérieux. Un an de plus. Là aussi, il faut choisir. Hein. Ah oui. Et il se marie un an de plus et il se marie en fait. Donc, briseuse de couple. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Vous êtes ensemble aujourd'hui, hein? Oui, voilà. Ça se passe très bien, donc c'est voilà. Une bonne idée. Et donc le 25 décembre, il m'a dit, je vais me séparer de mon ami. J'aime quelqu'un d'autre. Ah bon, c'est embêtant ça. Et qui est cette personne? C'est toi. Ah, d'accord. Ouh. Et alors 25 décembre, en général, on fait un peu la fête. Donc, je lui ai dit, passe bien la soirée, puis on en reparlera demain. Et puis... Vous avez dit qu'il était un peu pompette pour dire ça? Oui, voilà. Oui, je me suis dit, là,
L'alcool y est pour quelque chose. Mmh. Et puis, le lendemain, il passe derrière moi, il me glisse dans l'oreille. Tout ce que je t'ai dit hier soir, ça tient toujours. Et alors là, j'ai eu un sentiment, j'avais l'impression de ne plus avoir de jambes, en fait. Parce qu'à la fois, pour moi, c'était l'histoire ancienne, c'est vraiment quelque chose que je voulais oublier. Parce que pour moi, c'était impossible. Et puis, en même temps, c'est quelque chose que j'attendais tellement que j'étais ravie, quoi. Et puis, donc là, il s'est séparé quelques jours après avec son ami. Et ben moi, il m'a fallu 6 mois quand même pour réfléchir à toutes les conséquences que ça pouvait avoir, me dire que c'était pas une aventure sans lendemain. Voilà, c'était vraiment un engagement. Si on se mettait ensemble, c'était vraiment un engagement de notre part et c'était quelque chose de réfléchi. Il y avait une double impossibilité. D'abord, il était en couple. Oui. Et puis ensuite, c'était votre frère, votre quasi-frère. Oui. Et au-delà de ça... Des familles. Oui. Et puis, on a une petite sœur en commun. C'est-à-dire Laura. Qui est Laura, ici. Expliquez-nous ça, comment ça fonctionne. Bah, mon demi-frère et ma demi-sœur sont ensemble, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, votre papa et votre maman, quand ils se sont mis ensemble, ils ont eu un enfant, et c'est vous. Oui. D'accord. Voilà. Et ça vous fait quoi d'avoir votre frère et votre sœur qui sont ensemble? Maintenant, plus rien. Mais au début, j'avais une un douzaine bizarre. D'années. Ouais. Un peu de jalousie aussi, parce que c'était ma sœur et je la voyais avec quelqu'un d'autre. C'était bizarre, c'était tout se mélangeait dans ma tête. Mais en grandissant, pour moi, ça restait mon frère et ma sœur, donc ça ne change pas grand-chose. Vous vous sentez bien avec tout le monde en même temps, quoi, finalement. Ouais, voilà. Quoi. Ouais. Comment vos parents ont réagi? Alors, bizarrement, comme le cas de Régis et de Jennifer... Mon beau-père, donc son père, à lui, l'avait prédit. Facile. Un jour, il m'avait dit, écoute, moi, je suis persuadée que vous trouverez ensemble à un moment ou un autre de votre vie. Il vous l'avait dit auparavant? Oui. Oui, oui, avant que ça se passe. Mmh. Alors, peut-être parce qu'il sentait que de mon côté... Peut-être. Il y avait une possibilité. Mmh. Mais il l'avait prédit. Et votre mère? Ma mère... Du moment que j'étais heureuse, c'était le principal. Peu importe l'homme avec qui je partageais ma vie. Par contre, c'est plus du côté de la famille, donc de mon père. Je lui dis, écoute, papa, j'ai une nouvelle à t'annoncer, mais j'espère que... Bon, bref. Et en fait, je lui dis, ben voilà, je suis donc avec Sébastien. Et il me regarde et il me dit, mais je m'en doutais. Et alors là, moi qui m'étais préparée un mois à l'avance, je tremblais. Vous avez bien répété devant la glace et tout ça. Ouais. J'imaginais le pire des scénarios, même si mon père est très compréhensif. Et je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, je m'en doutais. Maintenant, je te fais confiance. Je sais que tu es adulte et que tu es capable de faire des choses bien comme il faut. Donc voilà. Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble aujourd'hui. Vous en êtes où de votre vie de couple? On est super heureux. C'est, je pense, l'homme de ma vie. Je croise les doigts. Projet de construction, de bébé, puis mariage par la suite. Voilà, donc je pense que c'est pour la vie. Faut qu'on se complique les choses, vraiment, c'est une belle histoire, non? Voici ce que Jennifer et Régis, ça fait 13 ans que vous êtes en couple et que vous avez 2 petites filles qui ont quel âge? 6. 6 et 3. 6 et on les embrasse très fort. Notre invitée a vécu une histoire d'amour tabou. Elle est aujourd'hui notre invitée avec un homme bien plus âgé qu'elle, un homme qu'elle n'était pas censée aimer, un homme qu'elle connaissait depuis qu'elle était toute petite et qu'elle n'aurait dû jamais regarder avec des yeux de femme. Nelly est tombée amoureuse du frère de sa mère, de son oncle. L'histoire de Nelly et Louis pourrait être simplement celle d'un couple que 16 ans sépare. Mais elle est bien plus que ça. C'est une histoire d'amour entre 2 personnes d'une même famille, une nièce et son oncle. Depuis l'enfance, Nelly est proche de son oncle Louis, le frère de sa maman. Elle a 20 ans et lui 36 quand ils se déclarent leur amour. Pour Berthe, la maman de Nelly, c'est la stupeur. Son propre frère a brisé sa confiance, sa propre fille a brisé un tabou. Très vite, Nelly et Louis vivent ensemble et décident de fonder une famille. 4 enfants vont naître de leur amour. Avec ce couple entre l'oncle et la nièce, l'arbre généalogique de la famille se complique. Nelly devient la belle-sœur de sa mère, elle est aussi la belle-fille de ses grands-parents et la cousine des enfants qu'elle a mis au monde. Au bout de 13 ans, Nelly et Louis souhaitent officialiser leur amour par un mariage.
Mais en Belgique, où ils vivent comme en France, un oncle n'a le droit d'épouser sa nièce que sur autorisation exceptionnelle des plus hautes autorités. Nelly et Louis doivent donc demander une dispense officielle auprès du roi pour devenir mari et femme. Ils auront formé un couple heureux pendant plus de 30 ans. Alors Nelly, on a entendu deux jeunes femmes qui nous ont dit qu'elles sont tombées amoureuses de leur quasi-frère quand elles avaient 10 ans, 11 ans. Vous êtes tombée amoureuse de votre oncle quand vous aviez quel âge ? 20 ans. 20 ans. Vous êtes sûre que ce n'est pas un an ou deux non, ans non, non, ou non. 3 ans ? Non. Non, je ne le voyais pas souvent. Il ne venait pas souvent à la maison, il ne venait pas régulièrement. Il a commencé à venir plus régulièrement quand j'ai eu 17, 18 ans. Quel était le déclic ? Et à 20 ans et demi. Quand j'ai quitté ma famille, mes parents, que j'avais 20 ans. Vous êtes fâchée un peu avec vos parents ? Oui. Vous êtes partie chez donc le frère de votre mère ? Oui. Comme par hasard ? Non, mais il n'y avait rien. Tout bien, tout en heure. Ah, oui. J'avais ma chambre au troisième et lui la sienne au deuxième. Donc il n'y avait absolument rien. C'était un homme qui vivait seul ? Oui. D'accord, pas de femme sous... Il était divorcé depuis 10 ans. Il avait quel âge par rapport à vous ? 35. 35, une quinzaine d'années de plus. 15 ans plus vieux, oui. Et vous avez commencé à vivre sous le même toit ? Pas un chalet, petite maison dans la prairie. Non. Et comment vous êtes rapprochés l'un de l'autre ? Ben, je m'y suis fort attachée, je suis tombée amoureuse. Et puis lui était amoureux. J'ai appris seulement depuis, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qu'il était déjà amoureux de moi depuis plus longtemps. Il n'y a pas longtemps ? Oui, c'est son frère qui me l'a dit il y a une quinzaine de jours. Ah bon ? Il en parlait déjà avec son frère qui est amoureux de moi, oui. Oh, ça doit vous toucher rétrospectivement. Ben oui, ça m'a fait dire un peu ça, bizarre ouais. Que son frère me dise ça, surtout que... Son frère qui est donc le frère de votre mère aussi. Qui est mon beau-frère et mon oncle. Ça a été une grande histoire d'amour ? Oui, oui. 31 ans. Vous avez eu des enfants ensuite ? 4 ? 4. Est-ce qu'il y a un risque de consanguinité ? Non. Juliette, vous comprenez Nelly qui a préféré prendre le risque de perdre sa famille ? Alors, moi, je ne comprends pas du tout. Moi, ça me choque personnellement. Parce que je trouve qu'il y a un lien donc là direct de parenté. De sang. Et peut-être que c'est une histoire formidable, qu'elle a été amoureuse, lui aussi, ils ont fait de beaux enfants. Donc après, c'est vrai qu'il faut rester ouverte à cette situation. Mais moi, je me vois mal vivre une histoire pareille que Nelly. Personnellement, mon oncle viendrait me faire des avances. Je lui mettrais une gifle. Ah oui ? Ah oui, carrément. Tellement vous pensez que c'est un interdit ? Ah mais j'arriverais pas à vivre dans cette situation. Vous avez appris que votre petite amie vous trompait avec une femme, c'est déjà un premier choc. Oui. Qui n'est pas très agréable. Quand vous avez appris que ça a été sa cousine, ça a vraiment changé beaucoup les choses ? Oui, oui, ça m'a choqué deux fois plus en fait, parce que j'avais des contacts avec cette personne, je la voyais lors des réunions de famille, et donc ça m'a traumatisée. Pourquoi ça vous a marqué autant dans votre construction de jeune femme ? C'est le fait d'avoir été trompée ou c'est vraiment le fait que ce soit sa cousine ? C'est le fait que ce soit sa cousine. J'ai trouvé ça vraiment malsain. C'est comme des repères qui explosent, des choses comme ça. Voilà, je trouve que ça donne une mauvaise image de la famille. On perd le cadre familial. L'interdit familial. J'ai posé la question à Michel Appelbaum. Où êtes-vous, Michel ? Vous êtes, pardon, excusez-moi. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Au regard de la loi, d'abord. Oui. Est-ce qu'on doit parler d'inceste en ce qui concerne Nelly et son oncle, qui est donc le frère de sa mère ? Oui. Alors, il faut savoir que le terme inceste n'est pas un terme juridique. C'est vraiment une notion sociale d'une relation sexuelle entre des membres d'une même famille. En ce qui concerne le point de vue juridique, il y a effectivement une prohibition de relation, enfin surtout d'un mariage, entre un oncle et sa nièce, comme la tante et le neveu. En France ? En France, en comme Belgique, en Belgique d'ailleurs. Je regardais, j'ai vu passer le code civil belge, nous avons à peu près la même disposition en droit français. C'est pour vous marier, vous avez dû demander une autorisation ? Oui. Au bon roi ? Oui, ouais. Au roi Baudouin. On a écrit une lettre au roi Baudouin, on a eu la réponse du ministère de la Justice. Alors, on va regarder donc, parce qu'il n'y a pas que les oncles et les nièces ou les tantes et les neveux. Il y a d'autres cas de figure dans la famille où ça peut arriver. Un oncle peut donc exceptionnellement épouser sa nièce, on l'a compris, si le président décide que c'est OK. Tout à fait. Qu'en est-il de deux personnes ayant des liens de parenté suivants ? Cousin-cousine ? Cousin-cousine, tout à fait autorisé. Aucune interdiction. Tout ce qu'ils veulent ? Oui. Même se marier ? Même se marier. Et avoir des enfants avec le risque que ça comporte. Tout à fait. De toute façon, les interdictions qu'il y a dans le Code civil sont sur le mariage. Il y a une dissociation entre avoir des relations sexuelles et se marier. Un demi-frère avec une demi-sœur, avec un parent commun ? Interdit. Interdit de se marier ? De se marier. Aucune possibilité d'autorisation par le président de la République. En ce qui concerne un parent et un enfant adopté, par exemple comme Woody Allen ?
En France, ça ne serait pas possible parce que l'adoption fait que l'enfant adopté devient un enfant légitime. Donc, comme il y a une interdiction entre le mariage en ligne directe, en descendant et ascendant, il ne pourrait pas y avoir un mariage dans ce cas-là. C'est compliqué, hein. Mais on arrive à comprendre quand même. Maurice est avec nous aujourd'hui. Je pense que vous réagissez quand même différemment que nos autres invités sur ces histoires d'amour en famille. Comment vous réagissez à tout ce qui est dit aujourd'hui ? Bah, ils ont de la chance que ça s'est bien passé, quoi. Que les familles comprennent, j'ai l'impression. Voilà, que les familles comprennent, quoi. Parce que moi, bon, ça s'est très mal passé, quoi. Donc, j'ai dû... Vous étiez divorcé, vous étiez... Non, j'étais pas divorcé. J'étais encore marié, hein, moi, quand... Vous étiez en couple ? J'étais en couple, oui. Vous aviez une trentaine d'années ? J'avais une trentaine d'années. Et ma cousine, qui venait assez souvent chez moi... Qui avait quel âge ? Qui avait à peu près 18 ans, 18, 19 ans, quoi. Était là régulièrement et je suis tombé amoureux, quoi, donc, d'elle, quoi. C'est qui par rapport à votre famille ? C'est la fille de ma cousine Germaine. D'accord. Ouais. Donc vous la connaissiez depuis toute petite ? Depuis toute petite. Vous vous retrouvez amoureux d'elle, vous lui dites ? Oui, disons, mon couple n'allait pas très bien, hein, donc c'était un peu, au début, c'était un peu, comment vous dire, surtout, on se consolait mutuellement, quoi, parce qu'elle... Elle était malheureuse aussi, elle ? Voilà, oui. Votre femme l'a appris ? Oui, disons, elle l'a appris après X temps, quoi, donc vis-à-vis de ma deuxième fille. Ma deuxième fille, on était partis en vacances. Allez-y doucement. Hein, pardon. Oui. Donc, j'ai ma première fille qui est là, et j'ai ma deuxième fille. On est partis tous en vacances ensemble, avec ma fameuse cousine. On était tous ensemble, au camping. C'était risqué, vous deviez le savoir, quand même. Oui, c'était un peu risqué, mais enfin, bon. Ouais. Et donc... comment vous dire, j'ai laissé un peu traîner une lettre qu'il ne fallait pas dans une boîte à gants. Et ma deuxième fille, elle avait 3 ans. Dans le camping, et bon, on s'amusait, tout le monde était... Moi, j'étais à l'apéro, j'étais avec des amis, tout ça, droite à gauche. Et d'un seul coup, ma deuxième fille arrive... De 3 ans, avec la lettre ? Avec la lettre. La suite dans un instant. Regardez ce message, il vous concerne peut-être. À tout de suite. Votre conjoint est décédé au pire moment. Mariage, accouchement, lune de miel. Vous êtes tombé amoureux d'une personne qui était sur le point de mourir. Votre conjoint s'est suicidé alors que vous étiez sur le point de vous marier ou d'avoir un enfant. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, ces femmes qui vivent leur amour dans l'ombre d'une autre. L'histoire de Sophie, amoureuse d'un homme marié. Elle souffre chaque jour davantage de cette vie clandestine. Il faut que ce soit lui qui me dise, voilà, on se voit tel jour, à telle heure. Et si moi je ne peux pas, ou s'il y a un problème, là, monsieur va faire la gueule. Il me fait aller chez lui, en plus de ça, dans le lit de sa femme. Donc moi je me suis dit, au début c'est vrai que ça me choquait un petit peu, mais maintenant... Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle débarque. Ça le mettra peut-être devant le fait accompli. Et là, il sera peut-être obligé de choisir entre elle et moi. Je ne peux pas continuer dans cette situation. C'est pas possible. Et aussi l'histoire de Martine, abandonnée sans ménagement au bout de 4 ans de liaison, après que la femme de son amant les ait démasqués. Il me disait en fait qu'il n'avait jamais connu ce sentiment de toute son existence, d'aimer à ce point quelqu'un. Je l'aime toujours et je crois que je l'aimerai toute ma vie, quoi. Maurice, on est au camping, on est avec vous au camping. Vous avez vos deux filles qui sont avec vous, votre femme est avec vous, votre maîtresse depuis presque un an maintenant. Oui, presque un an, oui. Votre petite cousine est avec vous également au camping. Oui, exactement. Et cette fille de 3 ans, votre deuxième fille, votre sœur donc. Oui. Arrive avec cette lettre de... Voilà, elle est allée fouiller dans la boîte à gants, j'avais laissé ça. Et donc elle arrive directement avec la lettre vers mon ex-femme. Elle lui dit, maman, elle lui a fait voir la lettre, quoi. Chose qu'il ne fallait pas trop, quoi. Elle avait 3 ans, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Voilà, exactement, quoi, bien sûr, quoi. Ça devait être sympa, cette ambiance au camping. Oui, c'était sympa, oui. Surtout le départ, après, quoi. Alors, votre femme lit la lettre, elle comprend tout de suite ce qui se passe. Voilà. Cousine est là ? Ma cousine est là. Et donc, automatiquement, ma cousine est là. Elle me dit de choisir entre ma femme, mon ex-femme, pardon, et elle. Et pas devant votre femme, quand même ? Si, devant. Il va avoir mal à la tête. C'était un peu chaud, hein. Et donc, comment vous dire, je l'ai trahi, quoi. Je suis resté avec mon ex-femme, quoi. Vis-à-vis de mes filles, vis-à-vis de tout, quoi. Donc vous avez trahi l'amour que vous aviez... Oui. Vous dites trahi, vous. Trahi, oui. Je trahis, oui. Oui, donc vous avez dit à votre femme, oui, je reste avec toi. Oui. Et elle a dit, on efface tout et on recommence. Voilà, exactement, oui. Vous n'étiez plus amoureux de votre femme. Non, déjà. J'étais toujours amoureux de ma cousine, quoi. Ouais.
Vous êtes resté par devoir ? Par devoir, oui, par devoir, oui. Comment votre cousine a réagi ? Très mal, très mal. Parce qu'automatiquement, elle est partie, elle a fait une tentative de suicide, déjà. Et donc, mon ex-femme a pris déjà le téléphone pour avertir toute la famille, quoi. Ah, c'est sympa, ça. Ouais. Et donc, automatiquement, elle a été jetée dehors par sa mère, quoi. Aussi, quoi. Par ses parents, quoi, pardon. Et vous, c'était quoi l'ambiance à la maison, ensuite ? Ah, là, c'était un peu chaud, quoi. Mais quand vous dites un peu chaud, Maurice, on sent qu'il y a de la ferveur, quoi. Ouais, non, c'était vraiment... C'était dur à vivre, quoi. C'était dur à vivre. J'essayais de la contacter tout de suite après, moi, parce que, bon, j'ai senti tout de suite... Après le retour du camping ? Oui, le retour, 4-5 jours après, déjà, j'essayais de la recontacter, quoi. Mais il n'y a eu rien à faire, quoi. Elle n'a jamais voulu entendre parler de moi, quoi. Et avec votre femme, comment ça a évolué ? Ah ben, on a divorcé, donc... Mais c'est pas vis-à-vis de ça, quoi, quand même. Combien de temps après ? 3 ans après, à peu près. Quelle leçon vous tirez de cette histoire, vous, Maurice ? La leçon, c'est que, bon, je dis franchement, à refaire, je serais parti avec ma cousine, quoi. Ouais. Non, j'ai l'impression que c'est le grand amour de votre vie. Oui. On en sourit aujourd'hui parce que la situation est compliquée, c'est vrai de dire. Ouais. À refaire, finalement, je me serais mis avec ma cousine, pourquoi pas ma sœur. Mais c'était de l'amour très, très fort. Ouais, c'est de l'amour. Ouais, ça a été vraiment de l'amour. Et je pense que ça a été et ça restera vraiment le... Qu'est-elle devenue depuis ? Ben, je ne sais pas. Aucune idée. Pas de nouvelles ? Pas de nouvelles. Non. Mélinda, ça a été un grand scandale dans la famille. Vous avez quel âge au moment où votre mère et votre père se sont séparés, donc 2-3 ans après l'histoire du camping ? Ben moi, j'avais une dizaine d'années à l'époque. Vous compreniez ce qui se passait ? Ben, pas vraiment, en fait. Je l'ai su beaucoup plus tard, en fait, ce qui s'était réellement passé. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à la maison, parce que c'était très, 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 très tendu. Chaud, comme dirait votre père. Oui, voilà. Mmh. Voilà, un peu chaud. Très chaud. Au bout de 2-3 ans, donc, votre maman est partie ? Elle est partie ? Ah oui, elle est partie, oui. Oui. Elle est partie, mais en amenant ma deuxième fille, Déborah, quoi. Elle m'a laissé Mélinda, quoi. C'est vous qui avez apporté la lettre ou c'est pas vous, Gilles ? Ah non, c'est ma sœur. C'est sa sœur. Mais vous l'aimez bien, votre sœur, quand même ? Ah oui, j'adore ma sœur. Ouais. Donc, Déborah est partie avec sa maman. Vous êtes restée, Mélinda, avec votre papa. Mm. Ambiance, là aussi. Comment vous avez vécu les années qui ont suivi ? Ensemble, tous les deux ? Ouais, oui, tout à fait, oui. Très soudés, oui. Vous voyez votre mère ? Oui, ça arrive. Mais peu ? Oui, voilà, oui. Mm. Très, très peu. Comment il était, votre papa ? Malheureux comme une pierre ? Ah oui, puis je crois qu'il y a des blessures qui sont encore là, quoi, au jour d'aujourd'hui. Des regrets ? Je pense pour lui, ou des remords ? Non, regrets. Un regret, pas de remords. Ben, je suis... disons que ça s'est bien... C'est bien passé, que j'ai eu de la chance, que Mélinda reste avec moi, quoi. À cause de cette histoire d'amour, vous avez été privé, en fait, d'une vie de famille, Mélinda. Est-ce que vous en voulez à votre père pour ça ? Peut-être, oui, avec le recul, parce que forcément, quand il y a des choses qui seraient passées différemment. De ce fait-là, il y a une partie de ma famille un peu éloignée que je ne connais pas, mais ça s'arrête là. Je pense que je ne m'en veux pas aussi, parce que ça a créé un lien vraiment particulier entre lui et moi, quoi. Fort. Oui, très, très fort. Sophie, vous aviez 12 ans. Votre mère est partie de la maison familiale parce qu'elle ne supportait plus de devoir vous partager... Non, je pense qu'elle avait plutôt envie de vivre sa vie de femme, en fait, enfin, de femme, non, mais je crois qu'à 30 et quelques années, elle avait besoin de s'épanouir toute seule, quoi, sans son beau-père et sans sa mère. Elle avait besoin de vivre autre chose. C'est une histoire assez complexe, on va regarder ce reportage, je pense que ça nous aidera à mieux comprendre. On va donc découvrir cette histoire, une histoire qui est pleine d'amour, pour vous qui étiez une enfant à l'époque, mais aussi pleine de rivalité, notamment pour vos deux mamans, comme vous dites. Votre mère et votre grand-mère, toutes les deux amoureuses du même homme, et donc obligées de le partager. Il s'agissait du grand coureur cycliste Jacques Anquetil. Jacques Anquetil est un célèbre coureur cycliste qui remporta 5 fois le Tour de France entre 1958 et 1964. Aujourd'hui, on se souvient de lui autant pour ses victoires que pour ses histoires d'amour. Lorsque Nanou épouse Jacques Anquetil, elle a déjà 2 enfants d'un premier mariage, Alain et Annie. À la fin de sa carrière, Jacques souhaite avoir un enfant, mais Nanou, sa femme, est devenue stérile. Pour qu'il ait cet enfant, elle a l'idée folle d'offrir sa fille Annie à son mari pour qu'elle lui fasse l'enfant qu'il désire. De cette relation naîtra Sophie. Je suis la fille donc d'Annie, qui est la fille de Nanou, la femme de Jacques Anquetil. Donc dans l'autre sens, ça donne en fait Annie la... La fille de Nanou a eu un enfant avec son beau-père. C'est moi. Pour moi, c'était très naturel. Mon père dormait avec Nanou, mais le soir, elle allait dire au revoir à ma mère. Donc en fait, il passait un temps avec ma mère dans sa chambre. Elles avaient toutes les deux leur chambre. Et donc après, lui, il repartait dormir
dans son lit avec sa femme. Je suis un peu admirative qu'il ait réussi déjà à ce que ça tienne pendant 12 ans. Et en plus, tout ça dans une clarté totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de double vie, il n'y a pas de mensonge. Je veux dire, les choses sont établies, sont faites, sont dites. Et voilà, et on s'en accommode. C'était pas une histoire d'un mec qui couchait avec la mère et la fille. Il y avait une histoire d'amour derrière, il y avait un désir d'un enfant. Et voilà, que c'était une belle histoire, que c'était pas quelque chose de salace. Sophie est l'enfant tant désiré par Jacques et Nanou. Depuis toujours, elle considère sa grand-mère comme sa deuxième maman. Et d'ailleurs, elle l'appelle maman. Coucou maman. Ça va ? Et toi ? On dort la petite ? Malgré les années, Sophie continue à s'interroger sur les circonstances peu conventionnelles de sa conception. Et toi, comment vous en avez discuté en fait ? Parce que tu savais dès le début que tu ne pouvais pas lui donner d'enfant. La question s'est vraiment posée après sa carrière. Il ne voulait pas l'adopter, il voulait que ça soit quelque chose de lui. Ouais. Moi, ça me gênait parce que je ne pouvais pas lui donner quelque chose de moi non plus. Et alors, la solution, ça m'a fait drôle au départ parce qu'on c'est pas de gaieté de cœur qu'on demande à sa fille d'avoir un enfant avec son mari. Hein. C'est pas évident, ça. Donc après, vous lui avez posé la question ? Après, on a posé la question. Et elle était d'accord ? Elle était d'accord. Tout de suite ? Elle a réfléchi un petit peu, mais elle était d'accord. D'accord, ouais. Alors après, on a vécu ce ménage à trois. Là. Lui, il voulait les deux. Il voulait les deux. Il n'était pas question. Il m'aimait parce qu'Annie était là. Il aimait Annie parce que j'étais là. C'est incroyable, un bonhomme pareil. Moi, je t'appelle toujours ma fille. Tu seras toujours ma fille. Tu ressembles tellement à ton père. Comme j'étais bien amoureuse de ton Manu, père, automatiquement, t'es ma chouchoute, quoi. Annie avait 20 ans quand sa mère et son beau-père lui ont demandé de concevoir un enfant pour eux. C'est par admiration et devoir familial qu'elle a accepté leur demande. Comment tu l'as pris, toi, cette demande, en fait, de faire un enfant ? Bien, parce qu'il y avait pas d'autre. Enfin, je pensais qu'il n'y avait pas d'autre solution, telle que ça a été présenté, il n'y avait pas d'autre solution. Ton père voulait absolument un enfant, et puis Nanou, on voulait que ça reste un peu dans la famille, donc. Ouais. Je l'ai accepté naturellement, je crois. La seule personne qui vraiment pouvait faire ça, c'était toi, quoi. Ouais. La nécessité est passée au-dessus des sentiments. Hein. De toute façon, il fallait faire ce bébé, donc. Non, puis il y avait quand même des sentiments de l'autre côté, quand même. Avec Jacques, il y avait quand même quelques sentiments. Ouais, ouais. Après la naissance de Sophie, Jacques n'a voulu renoncer ni à Annie, ni à Nanou. Pendant 12 ans, la mère et la fille se sont disputés l'amour du champion. Maman, est-ce que tu pensais en fait que quand tu m'as conçue, que ça allait durer, enfin pendant 12 ans, que vous allez faire 12 ans de vie commune ? Non, au début, non. Au début, non. Et puis, ça s'est installé petit à petit. Mais ça s'est pas toujours bien passé entre maman et moi. Lui, il se partageait très bien, mais nous, on n'avait pas trop envie de le partager après. Si vraiment ça nous avait très frustrés. C'est une histoire qui se fait On serait pas toutes les trois réunies. J'ai cette sensation d'avoir été un peu frustrée par le. De ne pas avoir éduqué ma fille comme une mère normale, en fait. J'étais plus une mère porteuse qu'une mère. Une mère normale. Elle dit une mère porteuse, mais c'était une mère amoureuse quand même. Hein. Oui, un peu. Elle faisait les deux. Elle a fait les deux, pardon. Oui. Ça a dû être assez étrange, en fait, quand on lui a demandé de vous fabriquer vous, quoi. Bah, étrange, je sais pas, parce qu'apparemment, elle est. Je pense qu'elle était très admiratrice de ce couple. D'une part, par l'homme qui était mon père, en fait, avec sa carrière de champion et ce qu'il représentait. En plus, c'était un bel homme, donc bon, c'était quand même quelque chose de facile. Et quand elle était petite, elle disait toujours mon fiancé, comme ça, en rigolant. Après. Il y avait une attirance pour lui. Elle avait une attirance comme ça. Et réciproque ? Oui, après, c'est devenu réciproque. C'est un peu. Enfin, je veux dire, lui, après, a eu aussi. Enfin, je pense, il est tombé amoureux d'elle, hein, de toute façon. C'est ça. Vous pensez qu'ils ont joué avec le feu à un moment ? Je pense, oui, un petit peu. C'est-à-dire que, en fait, votre grand-mère était d'accord avec Jacques Anquetil pour faire appel à sa fille. Alors, à sa belle-fille. Elle s'est tournée naturellement vers elle. Maintenant, il y a toute une subtilité derrière parce que lui, est-ce qu'il n'a pas un peu manipulé les deux ? On saura jamais, ça faudrait lui poser la question. Sans doute un peu. Un peu, oui, je pense. Connaissant l'homme, oui. Vous saviez ce qui se passait ? J'ai toujours su, oui. Et vous pouviez en parler autour de vous ? Enfin, vous sentiez... Moi, à l'école, j'avais deux mamans, je faisais deux cadeaux pour la fête des mères, c'était naturel, quoi, j'avais pas... Mais vous le disiez, ça ? Mes copines, oui. Ouais. J'ai une copine, là, dernièrement, en fait, quand j'ai sorti le livre, c'est là où elle a vraiment compris que c'était pas normal, l'histoire. Elle m'a dit, jusqu'à maintenant, je vous avais toujours vu évoluer, c'était tellement naturel, qu'en fait, j'ai compris vraiment que c'était pas une histoire normale quand j'ai lu le bouquin.
Enfin, quand j'ai vu le voilà. Alors, quand on aime, généralement, enfin, dans nos sociétés, en tout cas, on est exclusif, on n'est pas polygame, en tout cas. Mais c'est dans notre société, je crois qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires morales ici dont on a parlé ce soir. Culturelles. Enfin, oui, culturelles. Ouais. Culturelles, oui, voilà. Ouais. De, justement, qui reviennent sur la morale, mais qui sont en fait des histoires d'amour. Je veux dire, leur histoire, c'est une très belle histoire d'amour. Je veux dire, après, les gens peuvent voir de l'inceste parce que, culturellement parlant, ils ont été enlevés ensemble. Mais enfin, bon, c'est pas. Mais la polygamie, vu de votre fenêtre à vous, ça vous paraît vivable? Moi, ça me paraît vivable à partir du moment où c'est bien fait. Après, chacun voit midi à sa porte. Personnellement, c'est pas pour moi, mais je suis pas jalouse. Votre grand-mère n'a jamais été jalouse de votre mère? Je pense, oui. Il y a une rivalité de, femmes avec l'âge aussi. Je veux dire, il y a une génération d'écart. Qui s'est amplifiée avec l'âge? Non, au contraire. Je veux dire, maintenant, elles sont tout à fait. Elles habitent à un kilomètre l'une de l'autre. Elles sont très heureuses ensemble. Elles se voient tous les jours. Elles sont tout le temps l'une chez l'autre. Ça a duré 12 ans, en fait, hein, cette vie commune dans la même grande maison. Un petit peu plus avec ma procréation, mais bon. Oui, un petit peu plus avec votre procréation. Mais on a l'impression que c'est Annie qui a le plus souffert. Bah sûrement. Je pense qu'elle a été écrasée par deux fortes personnalités. Anctil, parce qu'il a été, et puis parce qu'il avait une forte personnalité. Et sa mère aussi, qui était quelqu'un de très dynamique, qui est toujours quelqu'un de très dynamique, et qui a une forte personnalité aussi, elle est plus effacée. Il y a le moment où ça s'est un peu échauffé, c'est quand votre maman est partie. Oui, là ça a tout brisé. C'était, tout l'équilibre a explosé, ouais, en fait. Tout a explosé. En fait, il fallait vraiment les deux pour lui se sentir bien. À partir du moment où un élément sortait, c'était fini. Aujourd'hui, on vous voit très unis dans ce reportage, Annie, Nanou et vous-même. Oui, même l'autre côté de la famille, on est tous très unis. Aujourd'hui aussi, ils ont. Bah, disons que maintenant, c'est vrai qu'on est tous amenés à se revoir, puisque mon cousin de son côté a un enfant, qui est aussi le dernier petit enfant de Nanou. Et donc sa mère, qui est la dernière compagne de mon père, quand ils font Noël, quand ils se marient et tout, ils se voient et ça se passe très très bien. Pour toutes les histoires de nos invités que vous avez entendues aujourd'hui, vous avez été sans doute surprise comme nous-mêmes de les entendre parler, mais j'imagine qu'il en faut quand même beaucoup pour vous surprendre. Et surtout ces histoires de tolérance culturelle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent sur l'ouverture d'esprit? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, l'amour est... je veux dire, les gens se marient souvent, ou vont avec leur voisin ou leur voisine, ou le membre le plus proche d'eux. Et c'est vrai qu'on tombe... L'amour, elle est derrière n'importe quelle porte, n'importe quelle fenêtre. On ne sait jamais quand est-ce qu'il peut arriver. C'est au détour d'un chemin qu'on le rencontre. Et ma foi, les chemins prennent tous les chemins, quoi. Oui. Donc, faut laisser les choses se faire. Et bon, si on fonctionne trop avec sa tête, des fois, c'est pas bon. Faut vraiment fonctionner avec son cœur. Je vous vois très surpris, Régis et Jennifer. Non, j'écoute. Non, pas du tout. Ouais. Étonnant. C'est compliqué. Ouais. Compliqué, non, étonnant en tout cas. Et puis simple à la fin. Quoi. Ouais. Ouais. Et puis de vous voir tous très heureux. Non, moi, ça m'a fait de la peine un petit peu pour Maurice. Ouais, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de regrets. Et c'est vrai comme quoi, voilà, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Et puis, puis foncer. Mm-hmm. Prendre ce qu'il y a à prendre, pas chercher à comprendre. Parfois, la pression d'être immense. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, d'accord.